Je m'appelle Étienne Despins, mon lien avec la Creuse, c'est que je travaille pour une agence de voyage associative à Pâtes Mille Vaches. On est donc basé sur le territoire du plateau de Mille Vaches, qui est quand même pour une bonne partie en Creuse. Et aussi partie du bureau des guides de moyenne montagne du plateau de Mille Vaches. Mon coup de cœur de Creuse, c'est le lac de La Vaugelade, donc qui est à côté de Royères-de-Vassivière, et entre Royères-de-Vassivière et Jean-sous-Pigerolles. C'est un lac qui est vraiment magnifique, assez peu connu des touristes, mais c'est incroyable, on se croirait vraiment dans le Grand Nord canadien. Il y a quelque chose d'assez incroyable, et je pense que c'est de plus en plus rare. C'est que sur le plateau de Mille Vaches, donc vraiment c'est un endroit qui a été occupé par les hommes avant, et puis aujourd'hui, avec l'exode rural, avec la diminution des agriculteurs, il n'y a plus grand monde. Et ce qui fait qu'on peut, et c'est vraiment rare, on peut faire des randonnées, de grandes randonnées, sans croiser aucun humain. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce qu'on se retrouve réellement entièrement immergé dans la nature. Pour moi, la Creuse, c'est le côté naturel, la sérénité et ce côté sauvage.